Salut, bonjour à tous, c'est Jerry Baba. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Instant Vap. Et aujourd'hui, on va parler du copain ici, du copain. Comment il s'appelle celui-là? C'est le Falcon King de Horizon Tech. Alors, vous savez quoi? Bah, je vous en parle. C'est parti! Alors les vapotos, aujourd'hui on va parler du Falcon King de chez Horizon Tech, un atomiseur d'exception, je le dis tout de suite, on est sur un atomiseur assez particulier, on est sur un atomiseur déjà pour commencer qui a de la gueule, il a de la gueule à fond la caisse. Si vous le regardez ici, vous verrez qu'il a déjà un profil très angulaire, c'est-à-dire il est designé, je sais pas comment expliquer, très coupé dans le métal comme ça, assez chouette en vérité. Il se présente ici avec un drip type 810 avec un pin 510. On est sur un réservoir bubble de 6 ml, de quoi s'envoyer du cloud comme il faut. Au niveau de la résistance, vous allez avoir des résistances qui vont être de 0,38 ohms jusqu'à 0,15 ohms, de quoi vous envoyer du gros cloud comme vous les aimez. Je le sais mes chasseurs, vous aimez les gros clouds. Au niveau de la résistance, vous avez une petite particularité, je ne sais pas si vous allez la voir maintenant à la cam, mais vous avez en fait la résistance qui est coupée en plusieurs, comment dire ça, en plusieurs paliers dans le métal en vérité, c'est-à-dire que ça vous donne apparemment, d'après les dires du constructeur, une durabilité plus importante, une coil M1 en mesh avec un alliage en acier assez particulier pour former le grillage de la coil, et... Alors ça c'est le truc un petit peu bonus, on a en fait un coton qui est fait de bambou biologique, donc ouais pour le coup c'est plutôt pas mal et on va voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau saveur. On va la vaper aujourd'hui sur la Aegis Legend. La Aegis Legend My Daily Box, je ne le dirai jamais assez, vous le savez, je l'adore cette box. Et on va vaper ça sur le Franken Strange. Alors le Franken Strange, je vous referai un petit review là-dessus parce que c'est un jus assez malade qui a du goût de ouf. Donc c'est un gourmand. Pour la peine, on va se foutre un gourmand dans l'horizon. Tout simplement pourquoi? Parce que dans ce Falcon King, le gourmand en fait va ressortir beaucoup plus que le frais. Alors je vous le dis comme c'est, moi personnellement j'ai vraiment trouvé que le frais n'était pas adapté pour cet atto. Pour moi c'est un atto gourmand malgré le fait que vous allez voir il est quand même assez aérien. Donc un petit truc bonus aussi, alors une ouverture ici absolument kiffante, je vous montre, vous avez un bouton pression ici, voilà l'ouverture, alors je la trouve absolument géniale. Voilà, vous appuyez sur le bouton pression, batch, waouh. Je trouve ça, mais trop la classe. Vous y mettez votre Juxmux dans le petit encoche. Je me cache dans la petite encoche ici. Vous le remplissez un maximum pour faire du cloud. Parce que vous êtes des chasseurs et vous voulez faire du cloud. Vous le refermez en le clipsant, comme vous l'avez vu. Vous le poussez, ça va tout seul. Pas de problème. Donc, bah les copains. On va se lancer un petit cloud et on va voir ce que ça donne. C'est une coil à 0,15, alors je peux monter jusqu'à 80, on va la monter tranquillou à 70. Airflow full open et puis on est bon, hein. On est parti, c'est parti. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lance un super cloud. La vapeur, elle est carrément au rendez-vous. La saveur, idem. Alors moi personnellement, celui-ci, je vais le comparer à au Zeus, mais pour le gourmand en fait. Ça, c'est pour moi le Zeus gourmand. Voilà. C'est honnêtement, je pense que c'est un des atos des mieux notés actuellement. Il est carrément super résistant, il est carrément super jouissif au niveau du goût et de l'envoi de la vapeur. Le côté du coton bambou bio là, ça ressort le goût, un truc de malade. Donc pour le coup on va se refaire un cloud. Vous êtes prêts?
On se voit plus, les copains. C'était un cloud de malade. Alors les petits potes, honnêtement, ce Falcon King, il est juste énormissime. Hein. Il balance une saveur de malade. En plus de ça, il vous balance un cloud de malade. Pour votre gouverne, je suis sur un jus de 80-20. Donc forcément, bon, ça envoie du cloud un peu plus que la normale parce que j'ai 80 VG. Mais pour le coup, la saveur, elle est ultra présente, quoi. Et on est à 70, hein. Donc ouais, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce gentil Falcon King, mais agressif Falcon King? Il est strictement jouissif. Moi personnellement, je le trouve carrément jouissif. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, c'est aérien, c'est un fait, mais pour le coup, bah, vous savez quoi, justement, on va couper un peu ce côté aérien, on va lui fermer les airflow, on va le fermer au quart, parce que vous savez que je suis pas sûr du restrictif, j'aime pas trop ça, donc on va le fermer tranquillement au quart, on va monter un petit peu, on va monter à 75,5, allez, j'ai envie de mettre de la virgule aujourd'hui, on va mettre du 75,5, et on va se lâcher un bon petit cloud avec ça. Mais avant, mes chasseurs, n'oubliez pas, mais si ça vous plaît les instants vap, mais mettez-moi ce pouce bleu, nous dit-il, il se trouve là en bas, allez, tu cliques le pouce bleu, ça fait plaisir, ça donne de la force, on a envie de continuer, et puis, bah, abonne-toi. Mais oui, toi là qui me regardes, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Bah oui, si tu me regardes, c'est peut-être que tu kiffes la vape. Bah alors vas-y, abonne-toi parce que je vais t'en faire encore des instants vap, mon ami. Et puis coche la cloche, ça c'est important. Alors, maintenant on va se refaire un petit cloud à 75,5 avec les airflow fermés au quart. Alors honnêtement, restrictif ou pas, on va voir. Déjà, au niveau saveur, ouais, le gourmand il ressort un poil plus, hein. Quand on restreint un petit peu les airflow, vous le savez peut-être, mais ça envoie un peu plus de saveur au niveau gourmand. Ça c'est connu, il faut restreindre un petit peu, c'est très très bon, ça chauffe un peu plus et c'est ce qu'on aime dans le gourmand. Les petits potes, on est dans le brouillard, c'est normal, on est dans un instant vape, dans les instants vape, il y a du brouillard, putain. Alors les copains, ben voilà, c'était un petit review sur ce petit Falcon King plutôt intéressant. Alors comme, pour expliquer un peu la chose, hein, mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez maintenant, les instants vape, je suis pas là pour vous faire une démo complète du truc, le démonter et tout, j'ai pas envie, c'est pas mon but. Vous avez plein de youtubeurs super cool qui vous le font, vous pouvez aller voir, ils vous font tout, l'unboxing et tout. Non, c'est pas mon délire. Par contre, on est là pour voir un peu ce que ça donne au niveau vape. Et honnêtement, ce Falcon King, il envoie la vape. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Un drip type 810 sur ce Falcon King, bien évidemment, ça ne peut que être ouvert avec tout le plaisir qu'il y a derrière. N'oubliez pas une chose, je vous le conseille sur du gourmand. Les fruités, c'est peut-être pas l'idéal, alors je pense que c'est lié maintenant au coil, bien évidemment, mais pour le coup aussi le coton qui est du coton en bambou bio, honnêtement, bah ça change le goût, en vérité ça change le goût. Si vous vapez le même jus sur un autre ato, vous verrez la différence et vous verrez les coils. D'ailleurs, en parlant de ça, elle s'adapte également avec d'autres coils, donc vous pouvez également y incorporer d'autres coils si vous le souhaitez. Il faut bien évidemment que ça soit un modèle qui fonctionne avec, mais ça promet du lourd. Allez, on se refait un cloud, parti. Limite, on se voit plus. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager cette vape avec vous. J'espère que vous de même. Si vous souhaitez vous procurer ce Falcon King, je vous le mets dans la description. Allez vous faire plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie. Et bien évidemment, bah, prenez soin de vous, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cochez la cloche. Envoyez-moi du bonheur. Et je vous fais plein de bisous. Je vous lâche un dernier cloud. À plus.